Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 97 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec une bonne nouvelle, la Coupe du Monde qui débutera dans 6 mois jour pour jour avec le match d'ouverture qui opposera bien sûr le pays hôte, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Je crois que l'équipe de France jouera 2 jours après. On est tous très impatients, je pense, de voir un petit peu ce que ça va donner cette Coupe du Monde. Mais avant ça, il y aura aussi la fin des championnats, le verdict aussi de la Ligue des Champions. On continue avec une déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit « Je suis content de mon équipe. Mitroglou a mis 2 buts, Germain 1, donc c'est un bon match. On est éliminé d'un match qu'on a gagné. Mitroglou, il n'a pas mis 2 buts, il a mis 1 but, mais il y a eu un but qui a été refusé. » Parce que voilà, il y avait hors-jeu, mais il n'y avait pas du tout hors-jeu. Donc Marseille s'est fait un petit peu avoir sur ce coup-là. Parce que voilà, il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage en la défaveur de l'Olympique de Marseille hier. Ils sont éliminés au tir au but par le Stade Rennais qui peut vraiment être heureux. Parce que voilà, ils n'ont pas vraiment non plus mérité cette qualification. Les Rennais, ils auraient dû perdre avant les 90 minutes. On continue avec une déclaration de Jacques-Henri Hérault. Il nous dit « Je vais demander les bandes son du dialogue entre les arbitres pour comprendre comment ce but a pu être validé et pourquoi il a fallu autant de temps pour qu'il soit justement invalidé. » Donc il y a eu une frappe de Benjamin André qui a heurté la barre transversale. Je pense que le ballon a rebondi peut-être 1 mètre devant le but et la ligne de but des Marseillais. Et pourtant l'arbitre avait validé ce but. Après, pendant 2 ou 3 minutes, les Marseillais bien sûr sont venus auprès de l'arbitre pour lui dire « Mais c'est incroyable, il n'y a pas but, le ballon il rebondit 1 mètre devant la ligne. » Et l'arbitre, au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, ouais, 2 ou 3 minutes, il a quand même accepté les requêtes, vis-à-vis aussi aidé par son l'arbitre assistant. Donc c'était assez incroyable comme scène quand même, parce que le ballon, il est très très loin de la ligne de but. Je comprends même pas comment il a pu dire qu'il y avait but au début sur cette action litigieuse dans ce match. Ensuite, on voit le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Strasbourg. On rappelle que Strasbourg, c'est la première équipe qui a fait tomber le PSG cette année en Ligue 1 il y a 2 semaines, 2-1. Les Parisiens se sont relevés, voilà, ils ont un petit peu vengé cette défaite en s'imposant 4-2 à la Méno hier. Voilà, petit problème défensif quand même pour le PSG, parce que Strasbourg, je ne les ai pas trouvés très très intéressants. Ils sont venus, je pense, 2 ou 3 fois dans la surface parisienne, mais sur les 2 ou 3 fois, ils ont mis 2 buts. Donc il y a pas mal de problèmes défensifs pour le Paris Saint-Germain après ce match. On continue donc avec la colère d'Edinson Cavani qui a été remplacé en toute fin de match, je crois qu'à 10 minutes de la fin, par Kylian Mbappé. Il est sorti, hein, bien sûr, sans jeter un regard pour Unai Emery. Il était très très déçu, je pense, de sortir, mais surtout de ne pas avoir marqué Edinson Cavani. Il a tapé un petit peu, je crois, dans une bouteille d'eau, dans une glacière en étant sorti. Lui qui espère bien sûr être soulier d'or cette année. Donc voilà, si Messi marque un petit peu et lui ne marque pas comme hier, bien sûr, il est très très énervé et on a pu le voir lorsqu'il est sorti en tapant dans cette glacière. On continue avec les affiches de la Coupe de la Ligue. Voilà, maintenant on connaît les affiches. Il y aura Angers-Montpellier, Amiens-Paris, un beau Nice-Monaco et Rennes-Toulouse. Il n'y a plus aucune équipe de Ligue 2 qui n'est qualifiée pour cette Coupe de la Ligue. Ensuite, on voit une déclaration de Fabinho. Il nous dit « Normalement, ça sera ma dernière saison à Monaco. Rien n'est signé, mais il y a parole. » Donc, je sais que Fabinho, il a très envie de partir. Il nous l'a déjà dit l'année dernière. Ça fait, je crois, maintenant 2 ans qu'il a très envie de partir de Monaco. Il devait partir cet été. Il n'a pas eu cette chance parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Mendy, Mbappé, lui, il n'a pas eu cette chance. Il ne retrouve pas son niveau aussi de l'année dernière, Fabinho. Donc, c'est assez dommage pour Monaco. Et peut-être que ça va freiner quelques clubs qui aimeraient lui proposer quelque chose. C'est le fait qu'il ne retrouve pas son réel niveau. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui a énormément de talent. Mais voilà, il ne retrouve pas son niveau. Donc, j'espère pour lui qu'il va pouvoir quitter Monaco. Parce que je sais très bien, il le dit partout en fait. Voilà, il n'a qu'une envie, c'est de partir de Monaco. Parce que ça fait aussi très très longtemps qu'il est à Monaco. Il a certainement envie aussi de découvrir autre chose. Ensuite, on voit que Donnarumma aurait adressé un courrier à ses dirigeants pour demander l'annulation de sa prolongation de contrat. Donc visiblement, il aurait signé une prolongation cet été sous pression psychologique, Donnarumma. Hier, il s'est fait conspuer lors du match de Coupe d'Italie entre le Milan et le Hellas Vérone, conspué par ses supporters qui lui ont dit « Ah oui, pression psychologique avec 6 millions d'euros, ben bravo à toi, parce que son contrat, c'est quand même pour 6 millions d'euros. » Donc s'il y a pression psychologique pour 6 millions d'euros, c'est quand même assez incroyable. C'est vraiment bizarre, hein, Gianluigi Donnarumma, il ne voulait pas prolonger, on le sait, pendant l'été, il ne voulait pas prolonger avec le Milan, puis après, il a prolongé. Maintenant, il veut annuler cette prolongation. Je ne comprends pas vraiment tout ce qui se passe du côté du Milan. Assez. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain est prêt à proposer Kevin Trapp plus Javier Pastore à l'Atlético Madrid pour faire baisser le prix de Yann Oblak. Hein, c'est 100 millions d'euros, Yann Oblak. Je pense que l'Atlético pourrait être intéressé parce qu'il recherche actuellement un remplaçant à Yann Oblak. Est-ce que ça pourrait les intéresser, Kevin Trapp? Je ne sais pas si c'est vraiment Kevin Trapp qu'ils veulent, mais en tout cas, c'est un gardien quand même qui est assez intéressant, même si ce n'est pas du niveau de Yann Oblak. Ça pourrait être intéressant pour lui parce que voilà, ça ferait déjà office de remplaçant pour Yann Oblak. Ensuite, on voit que Mascherano est tout proche de quitter le FC Barcelone. Normalement, il va rejoindre la Chine dans les prochaines semaines. Javier Mascherano, peut-être que le Barça, ça va pouvoir les aider à recruter Philippe
Coutinho. On continue donc avec Cristiano Ronaldo qui serait plus proche que jamais d'un départ du Real Madrid. Il en a fait part à ses avocats. Il espère que ses avocats vont pouvoir essayer de trouver une clause parce que bien sûr sa clause de départ du Real Madrid elle est à 1 milliard d'euros. Donc on sait tous qu'il n'y a aucun club qui va mettre 1 milliard d'euros pour recruter Ronaldo. Mais en tout cas lui, visiblement il en a marre. Il n'est pas soutenu aussi par son président Florentino Pérez, qui aime particulièrement aussi Neymar. Ça, bien sûr, Cristiano Ronaldo, ça l'énerve énormément. En plus, les scandales fiscaux, ça ne l'a vraiment pas aidé dans la presse. Donc, il espère que ses avocats vont pouvoir trouver une issue favorable et essayer de trouver quelque chose, une clause pour qu'il ne quitte pas le Real Madrid à hauteur de 1 milliard d'euros, mais un petit peu moins. On continue avec les résultats de Première Ligue. Il y avait une journée hier, Manchester United s'est relevé de son affront à ce week-end battu par City en battant Bournemouth 1-0. Tottenham a battu Brighton 2-0. D'ailleurs, allez voir si vous voulez le but de Serge Aurier, un but assez magnifique, mais je pense que c'est totalement involontaire ce qu'a fait Serge Aurier. Et ensuite, on voit que Liverpool n'a pas réussi à marquer, pourtant avec son attaque énorme, Liverpool n'a pas réussi à marquer face à West Brom 0-0. Et West Ham Arsenal, ça s'est terminé aussi sur un 0-0. On continue donc avec les stats incroyables de Josep Guardiola qui est maintenant le recordman de victoires consécutives dans 3 championnats différents. Avec le Bayern, c'est 19 victoires consécutives, le Barça, c'est 14 victoires et avec Manchester City, c'est 15 victoires. On peut compter celle d'hier aussi avec Manchester City. C'est quand même assez incroyable, il a ses statistiques dans 3 championnats différents. Et bien c'est lui qui est premier. Et encore, on sait qu'il n'est jamais passé en France et il n'est jamais passé en Italie. Peut-être que ce serait lui qui aurait le record sur tous les championnats s'il était entraîneur dans un de ces pays. Mais en tout cas, c'est quand même assez incroyable. Il est passé par le Bayern, c'est lui le meilleur. Avec le Barça, c'est lui le meilleur. Avec Manchester City, c'est lui le meilleur. Donc je pense qu'on peut vraiment dire que Josep Guardiola est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle dans le monde du football. On continue avec le résultat de City. City a écrasé Swansea, le dernier de Première Ligue, 4-0 au Pays de Galles. Voilà, il continue vraiment de marcher sur la Première Ligue, cette équipe de Manchester City. 15e victoire consécutive en championnat. C'est un record. Bravo à eux. Hier, il y a eu tout le monde un petit peu qui a marqué. David Silva qui continue son excellente période. Il avait marqué aussi, il me semble, lors du derby face à United. Franchement, cette équipe, je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter en Première Ligue. Et on verra comment ça se passera aussi pour eux en Ligue des Champions. On continue donc avec les stats de Manchester City depuis le début de saison en Première Ligue. C'est 17 matchs joués, 16 victoires. 49 points pris sur 51, c'est quand même assez incroyable, 52 buts marqués, c'est 3 buts par match, et je crois que le seul match où ils n'ont pas gagné, c'était lors de la deuxième journée, donc c'était vraiment une équipe qui était en rodage. La deuxième journée, ils avaient fait un nul face à Everton, en plus on sait qu'Everton par la suite, ils avaient eu énormément de difficultés, donc c'était un petit accro, mais depuis, cette équipe, elle est vraiment impressionnante de Manchester City, 49 points pris sur 51, c'est tout simplement un record de la Première Ligue. On continue avec une déclaration d'Alexandre Lacazette. Il nous dit « Cela semble vraiment compliqué de remporter le titre désormais. Nous aurions vraiment besoin d'un miracle. » Alors je pense que oui, il faudrait vraiment un miracle pour qu'Arsenal puisse revenir à hauteur de Manchester City. Et il me semble plus intelligent pour Arsenal de se concentrer sur une place pour la Ligue des Champions que de se concentrer et de penser à un éventuel titre qui est improbable. Je ne vois pas comment Arsenal pourrait revenir sur City, et bien sûr Arsenal n'a même pas les mêmes qualités et les mêmes joueurs que Manchester City, donc je pense que pour eux ça serait vraiment déjà très bien de se qualifier pour la Ligue des Champions. On rappelle que cette année ils ne se sont pas qualifiés, je crois que ça faisait maintenant presque 15 ans qu'ils n'étaient plus qualifiés en Ligue des Champions, cette équipe d'Arsenal. On continue avec les statistiques de Riyad Mahrez qui est maintenant impliqué dans 9 buts en 17 matchs avec son équipe de Leicester. 5 buts pour lui, 4 passes décisives, c'est vraiment un bon retour pour Leicester. Ils avaient vécu un début de saison assez compliqué depuis que Claude Puel est arrivé, ça marche très très bien. Pour Riyad Mahrez aussi, c'est très intéressant, ses statistiques, il est vraiment dans une forme olympique. Et puis en plus de ça, ça va lui permettre aussi d'être un petit peu plus vu sur l'Europe. Je pense que lui, il a aussi envie un petit peu de partir de Leicester. Peut-être ça se fera en hiver, peut-être ça se fera plutôt au mercato d'été. Il avait vécu lors de la saison du titre une saison assez incroyable. Il n'avait pas pu partir, notamment du côté de Barcelone. Bon, l'année dernière, c'était une saison assez compliquée pour Leicester et pour lui, mais là visiblement il est bien lancé pour cette saison et j'espère pour lui qu'il va continuer comme ça et qu'il pourra quitter Leicester et rejoindre un club un petit peu plus huppé. On continue avec le Real Madrid qui se qualifie pour le mondial des clubs, pour la finale du mondial des clubs en battant Al Jazeera 2-1. Les Madrilènes étaient pourtant menés 1-0, but de Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Le Real a largement dominé ce match, mais les problèmes d'inefficacité que connaît le Real depuis le début d'année, ils se sont encore fait voir pendant ce match. Le Real a eu beaucoup de mal à marquer.
Ils sont aussi tombés sur un très très bon gardien, hein, le gardien d'Al Jazeera. Il a fait un énorme match, mais en tout cas le Real est qualifié pour la finale du Mondial des clubs. Ensuite, on voit que le Bayern s'est imposé 1-0 face à Cologne grâce à Robert Lewandowski. Le Bayern compte maintenant 9 points d'avance sur Schalke dans la Bundesliga, dans le classement de cette Bundesliga. Donc je pense que le Bayern est déjà champion et est en train vraiment de s'envoler dans cette Bundesliga. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez, Mohamed Salah, Harry Kane, Sergio Aguero. Et si vous avez un autre joueur à me citer, n'hésitez pas à me le citer. Ma question de fin, c'est pour vous, qui va terminer meilleur buteur de la Première Ligue? C'est franchement une question assez compliquée parce qu'il y a vraiment tellement de joueurs talentueux et de très bons buteurs en Première Ligue. Et je pense qu'allez, Sergio Aguero cette année. Il me semble que l'année dernière, c'était Harry Kane, mais je pense que cette année, je vais dire Sergio Aguero. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!